Ici, je veux vous partager ma récolte de graines et de feuilles. Donc, pour des études de plantes, j'ai pas mal de feuilles que j'ai mis, donc, comme je vous l'avais déjà dit précédemment, entre deux morceaux de papier journal pour les sécher. J'en ai plein par là, voilà, où j'avais déjà mis des panneaux. En mettant ce que c'était, donc j'avais bien préparé ça. Donc cette feuille, je vais devoir la ranger. Ensuite, je vous ai pris une petite gousse de graines d'un lotus qui était tombée. Aucune de ces graines, je ne les prends dans les arbres, ni les fleurs, ni les feuilles. C'est tout ce qui est tombé et qui va à la poubelle en fait. Voici les graines donc, de ces arbres-là. On a aussi quelques graines comme ça. Des petites graines de palmier qui sont comme ça. Et un autre palmier, c'est ça. Donc toutes ces graines, comme vous l'avez vu, mes pochettes, je vais les ranger chacune dans leur pochette et faire des petits panneaux avec les explications. Et ensuite, tous ces sachets vont me servir pour mes cours de botanique, de dessin botanique que je fais le samedi et le dimanche. Vous êtes invité d'ailleurs à vous inscrire dès que vous le voulez. Donc c'est samedi matin et dimanche à 14h au Jardin des Plantes. Voilà, donc j'ai aussi fait, comme je vous le disais, carnet de voyage que je vais vous montrer dès qu'il sera fini à réaliser, parce qu'il n'est pas encore complètement fini. Et sinon, quoi vous dire de plus? On va travailler sur les lotus de nouveau le mois prochain et pas mal sur les palmiers, a priori. Voilà. Donc vous voyez le lagon bleu de l'île Maurice derrière moi. Et c'est l'heure de partir maintenant.